Bonjour, bonjour à tout le monde, c'est moi, votre humble serviteur Gilmas. La vidéo ici, c'est une vidéo en tout cas qui regarde et qui concerne plus toutes les filles du monde, toutes les femmes du monde, spécialement les Congolaises. Je m'excuse pour dire spécialement les Congolaises, puisque c'est les femmes congolaises ont traversé une période catastrophiquement difficile. Ils ont traversé une histoire vraiment de honte. Elles ont été humiliées, maltraitées par des étrangers. Elles ont été violées. On les a coupées des parties intimes par des petits rebelles. Aujourd'hui, c'est nous les hommes congolais. C'est nous les hommes avec H majuscule à revaloriser ces femmes congolaises-là et non les insulter. C'est à nous de les protéger. C'est à nous de les sécuriser. Nous avons toujours crié chaque jour que les étrangers viennent au Congo violer nos femmes, maltraiter les enfants. Aujourd'hui, nous avons beaucoup, beaucoup d'orphelins à cause de la guerre. Nos femmes, c'est elles qui ont subi vraiment les effets de la guerre. Elles ont été abandonnées par les maris qui ont été pris par force pour entrer dans l'armée, dans la milice. Aujourd'hui, nous qui sommes à l'extérieur, nous n'avons aucun droit de maltraiter les femmes congolaises. Nous n'avons aucun droit de manipuler nos femmes congolaises. C'est à nous de les valoriser. C'est à nous de les revêtir d'une robe blanche encore. C'est à nous de les donner, de les dire que nous les aimons. Nous sommes là pour les protéger et non les maltraiter. Ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux aujourd'hui, quand certaines mal éduqués, certains hommes mal éduqués félicitent un étranger qui se faufile dans la communauté congolaise des réseaux sociaux et commence à insulter une dame, vraiment, une dame congolaise. Et nous sommes là pour sourire, nous sommes là pour applaudir. Nous sommes quelle sorte de peuple, chers Congolais? Entre nous, battons-nous entre nous, parlons entre nous, faisons tout entre nous. Mais qu'un étranger ne vienne jamais, jamais nous donner une leçon quand il s'agit de nos femmes africaines, nos femmes congolaises. Nos femmes ont traversé beaucoup de choses. Vous n'avez aucune idée. Vous êtes ici en France, vous êtes en Belgique, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Vous savez ce que les femmes sont en train de subir chez nous au Congo. Il y a d'entre vous des femmes qui sont venues ici après être violées par des bandits là au Congo. Et maintenant, nous les garçons qui sommes ici, nous les hommes, nous sommes là pour maltraiter nos femmes. Qui va les donner la valeur? Qui va valoriser nos femmes africaines? Qui va valoriser nos femmes congolaises si nous-mêmes congolais, nous-mêmes hommes congolais, nous ne sommes même pas capables de les protéger? Nous sommes sur les réseaux sociaux seulement pour se chamailler, pour se chamailler, pour se critiquer. Pendant que nos femmes, il y a un petit voyou comme Makoso qui va passer sur les réseaux sociaux en train d'insulter une dame qui subit aussi des pressions de son mari. Un mari qui ne comprend pas la valeur d'une femme. Mes chers amis, ça fait mal quand on voit un mari qui n'est pas défaillant pour pas une star qui a de l'argent, qui n'est pas capable vraiment de donner, de valoriser sa propre femme, bien qu'il y a des problèmes. Fally Ipupa, la dame là, t'a donné des enfants. Bien qu'il y ait des problèmes, Fally Ipupa, souviens-toi de ton commencement de ta carrière solo. Cette dame là a été là pour toi, elle t'a supporté, elle t'a donné tout ce que tu avais besoin pour démarrer ta carrière solo. Aujourd'hui, on en est où? C'est comme ça que vous payez les femmes congolaises, les femmes africaines.
Eh bien, si c'était une femme blanche, française, anglaise, allemande, soit américaine, vous ne serez même pas à ce stage-là. Parce que c'est une femme congolaise encore. Vous la maltraitez, vous la manipulez. On doit cesser avec de telles bêtises. En tout cas, je vais m'excuser parce que je suis en train de me promener. Des fois, il y a des vagues, des vagues de vent qui passent. En tout cas, si la voix me fait défaut, je vous demanderai de m'excuser. Aussi, mon français n'est pas bon, n'est pas parfait. Je vis dans un pays anglophone plus de 18 ans et je parle plus de 7 langues. Alors, j'apprends aussi une langue, la langue chinoise, j'apprends le japonais, l'espagnol. Il y a des langues qui s'ajoutent à celles que je connais. En tout cas, essayez de comprendre mes émotions et comprenez mon langage. L'essentiel est que les messages soient captés. En tout cas, c'est bon. Je vis au Canada, précisément à Vancouver, pour les gens qui ne le savent pas. Si vous avez des commentaires, si vraiment n'hésitez pas à commenter sur la vidéo, là où il y a des erreurs. En tout cas, je suis là pour demander pardon aux femmes africaines, femmes congolaises, s'il y a des choses que j'ai mal, il y a une mésattente dans mon langage. En tout cas, veuillez m'excuser sur cela. Puisque moi, j'ai toujours défendu la valeur d'une femme, j'ai toujours défendu les enfants, j'aime les femmes congolaises, j'aime les enfants. Quand je vois les gens en train de marcher sur nos femmes, sur nos femmes congolaises, sur nos femmes africaines, ça me fait mal. Pour moi, une femme est une déesse. Grâce à la femme, nous sommes vivants. Elle nous a portés dans son ventre pendant 9 mois, mes chers amis, mes chers frères. Vous ne pouvez jamais comprendre la douleur de 9 mois dans le ventre. Imaginez-vous avoir quelque chose dans ton ventre, quelque chose qui pèse plus d'un kilo dans ton ventre pendant certains temps. Comment vous allez vous sentir, mes chers amis? La femme, elle doit être valorisée. Soutenons, supportons nos femmes, malgré les caprices. Tout le monde a des caprices. Personne n'est parfait. Nous, les hommes, nous aimons beaucoup, beaucoup criminaliser nos femmes, nos sœurs, nos frères, nos tantes, nos mamans. Chers amis, comme on dit, les femmes sont venues de Mars et les hommes, je ne sais pas, de Jupiter. C'est la vérité. Nous ne réfléchissons pas de la même manière. Comprenons les femmes. Parlons aux femmes avec tendresse. Donnez les femmes de temps à temps les raisons, même si elles ont tort. Donnez les raisons, avançons dans la vie. Vous allez vous créer des heart attacks pour rien. Vous allez vous créer des crises pour rien. Vous allez piquer des crises inutiles. Essayez, ce n'est pas facile. Essayez d'aimer vos femmes, valorisez vos femmes. Revêtons nos femmes la couronne qu'elles avaient auparavant. C'est une honte quand nos ancêtres voient ce que nous sommes en train de vivre avec nos femmes. Elles ont protégé nos femmes, nos ancêtres ont protégé nos femmes, nos femmes, nos mamans. Qu'est-ce que nous faisons, nous, les gens d'aujourd'hui? Nous avons tout ce qu'il faut pour protéger les femmes. Nous avons les téléphones, nous avons tout, nous avons des médias pour protéger les femmes. Mais c'est à nous de passer à la télévision et criminaliser les femmes, les démoraliser, les dépiécer, les insulter. Ce n'est pas bon, ça ne fait pas la valeur d'un homme. Ça ne fait pas la valeur d'un homme. Si c'est une femme blanche, on a toujours la tendance de les louer. Elles sont comme ci, elles sont comme cela. Vous oubliez de regarder des côtés positifs de nos femmes noires. Vous oubliez des côtés positifs des femmes noires. N'oubliez pas que les femmes, nous, comme noirs, pendant le monde, nous sommes considérés comme des minorités. Nous sommes comme des minorités. Imaginez-vous maintenant nos femmes. Si nous, hommes, nous sommes minorités, nos femmes seront comment? C'est à nous de les faire voir dans le public. C'est à nous de les revêtir d'une lumière. En tout cas, je ne sais comment expliquer. Mais en tout cas, je pense que vous m'avez compris. Aimons nos femmes, s'il vous plaît.
Revêtons nos femmes une couronne royale. Donnons à nos femmes la valeur qu'elles doivent. Elles sont une des pièces précieuses. Imaginez-vous, quand on dit toujours éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Alors démolir une femme, c'est démolir une nation. Faites attention. Faites attention à ce que nous sommes en train de faire à nos mamans, à nos femmes, à nos sœurs. Tous ne sommes pas parfaits. Jadis, nous avions fait des erreurs, des choses qui ne sont pas bonnes. Mais, conscience, revenons à nos consciences. Et changeons les choses, changeons les données. Peuple congolais, vous tous qui êtes en Europe, vous tous, je vous appelle à revêtir nos femmes d'une nouvelle robe. Changeons les données, Botika Bilobela dit. En tout cas, à la prochaine. Bye.